L'axe du barrage, nous allons construire la digue de rive en rive. Ce que vous voyez là, la partie la plus haute, il nous reste encore 50 mètres pour atteindre la fin du barrage. Pour dire que ça reste encore les 120 mètres. Les 120 mètres, nous avons 70 mètres et ça nous reste encore 50 mètres sur la partie la plus haute, là où vous voyez comme ça là. Si vous regardez la partie qui est en face de vous, il y a un trou complètement en haut là-bas. C'est là la fin du barrage. C'est le niveau du barrage. Donc c'est derrière cette digue qu'on va stocker les 6 317 millions de mètres cubes. Donc vous voyez ce que je présentais dans la salle. La première phase du projet, l'eau passait vers nous, là où se trouvent les camions, au fond ici. En ce moment, nous avons démarré les travaux que vous avez vu plus avancés de l'autre côté. En même temps, nous avons construit les 4 trous dans lesquels l'eau est en train de passer actuellement là. Et un mur que vous voyez, le mur qui fait 200 mètres, il y a l'usine au fond, il y a 30 mètres de différence de niveau entre cette eau et l'usine. Mais l'eau n'arrive pas là-bas. Donc tous ces ouvrages devraient être fonctionnels et bien vérifiés avant de faire passer l'eau. Donc nous avons réussi toutes ces étapes. Nous avons réussi à construire ces différentes centrales que vous voyez de l'autre côté, les centrales de concassage, les centrales de béton, les cités, les routes et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je vous ai dit dans la salle, à 95% d'excavation et 55% de béton. L'étape la plus importante que nous avons actuellement, c'est 30 septembre 2019. Il y a un ouvrage, la partie la plus haute du barrage. Regardez tout à fait au fond, il y a une partie ferraillée là. C'est un ouvrage qui nous permettra de faire passer l'eau de Soapiti à Kaleta au besoin. Dans le contrat, parce que dans le souci, les autorités guinéennes ont le souci d'alimenter la population en électricité. Donc, Soapiti va commencer à fonctionner un an avant le turbinage du premier groupe. C'est-à-dire, au 30 septembre 2019, le barrage aura une hauteur presque au même niveau que vous avez vu la partie la plus haute, ce qui nous permettra de stocker 1 milliard de mètres cubes. C'est cette eau que nous allons turbiner en étiage 2019, soit un an avant le turbinage le démarrage du premier groupe. Vous voyez combien de fois les mesures sont prises pour améliorer les conditions de vie du Guinéen à partir de Soapiti. Donc, dès qu'on finit cet ouvrage, on ferme les trous, on met en marche cette opération qui est contractuelle. Ce n'est pas à l'entrepreneur de vouloir le faire, mais c'est une obligation contractuelle. Donc, c'est ce que j'ai à vous présenter par rapport au projet Soapiti. Vous voyez le pont sur lequel vous venez de passer, il fait 506 mètres, c'est le plus long pont de la Guinée actuellement. Si on revient un peu sur les installations industrielles, vous allez comprendre combien de fois le projet Soapiti est gigantesque. Sur la montagne là-bas, il y a une carrière de 5 hectares. Il a fallu excaver 17 mètres de latérite, dégager tout ça là pour pouvoir atteindre le bon matériau, qui est estimé autour de 4 millions de mètres cubes, que nous allons envoyer au niveau du concasseur là-bas, qui a une capacité de 1700 tonnes par heure. À partir de là, des convoyeurs, vous voyez, c'est des convoyeurs qui envoient les matériaux dans ces différentes centrales, le béton. La première centrale que vous voyez là, elle fait 530 mètres cubes par heure. Elle est capable de livrer 4 camions à la fois, c'est la même chose que la centrale qui est en haut. Les cuves que vous voyez là, chaque cuve comptait 1500 tonnes de ciment ou d'un autre produit qu'on appelle sand volant. Et tout le chantier approvisionné, vous voyez combien
malgré que bientôt on soit en pôle. Cette visite est une suite logique de l'atelier de présentation de Swapiti Kaleta qui a eu lieu en faveur des miniers à l'hôtel Kaloum. Donc on a décidé, après avoir fini de leur expliquer ce que nous sommes en train de faire, de les amener sur ce site pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Oui. Alors, je crois que dans tout ça, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est pour rassurer les miniers, les opérateurs, ceux qui prennent leur argent de plus loin pour venir développer la Guinée, que nous aussi, nous ne sommes pas assis. Nous sommes en train de travailler afin de créer les conditions meilleures pour un bon développement, un développement harmonieux de notre pays. Ici, l'énergie, ce n'est pas le seul élément de développement, mais c'est un élément fort du développement. C'est un grand indicateur du développement. Donc, ces miniers qui viennent regarder aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire sont rassurés. Ils sont rassurés que nous sommes en train de travailler. Ils sont rassurés que ce qu'on leur dit est une réalité. Aussi, c'est pour les encourager à multiplier les activités, leur activité sur le terrain pour créer de l'emploi, assurer l'emploi à la population guinéenne. Ça, c'est la mission principale que M. le Président tient. Il tient à ça parce que la jeunesse est là sans travail. Pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait des conditions favorables du travail. Ceux-ci qui sont arrivés aujourd'hui, un minier, de ces mines, il peut créer d'autres activités consommatrices d'énergie et assurer qu'il y a de l'énergie potentielle dans le pays. Et à l'issue du projet, quel sera l'avantage que ces miniers vont tirer du projet ? L'avantage est certain. D'abord, il va avoir de l'énergie propre, solide, stable et dynamique. Ce qui leur permettra d'avoir d'abord cette structure de stabilité et aussi à un coût raisonnable. Le coût de l'énergie hydroélectrique est nettement inférieur à celui des autres énergies. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le solaire. En attendant, c'est l'énergie hydroélectrique qui est recherchée. Merci. Je voudrais remercier ceux qui ont l'initiative d'organiser cette visite pour les miniers. Cette visite nous a permis de nous rendre compte de la réalité de l'évolution du chantier. Ça a permis aux miniers d'être rassurés que le chantier est en train de progresser effectivement. Nous avons déjà constaté que les travaux civils sont avancés à 50%. Au niveau de l'usine elle-même, à 80%. Ces projets de barrages sont des opportunités évidentes pour l'industrie minière de la région nord-ouest de la Guinée, où se retrouvent plusieurs sociétés minières en exploitation et en projet. C'est aussi une opportunité de développement de l'industrie en général de la sous-région de la Basse-Guinée et du nord de la Guinée. C'est aussi une opportunité de pouvoir alimenter la population de la Guinée. Vous savez que les sociétés minières en exploitation à projet rencontrent énormément de problèmes de revendication des populations parce qu'elles ne sont pas approvisionnées en électricité. Le développement de ces barrages permettra de résoudre ce problème épineux et pour les populations et pour les sociétés minières. Nous sommes très ravis d'avoir fait cette visite et nous pensons que l'échéance de 2020 sera respectée. Merci. Merci. Madame, est-ce qu'on peut connaître vos sentiments par rapport à la visite que vous venez d'effectuer dans les chantiers de Swapiti ? Mon sentiment, d'abord, j'ai de l'émotion. Je suis ingénieure électroénergéticienne. Depuis l'université, on entendait parler de ces barrages. Ça m'a encouragée à faire des études en électroénergétique. Oui.
Et après, j'ai rejoint le ministère des Mines à travers le projet Gandiana, le projet Soit Petite Qualité de domicilier, où j'ai suivi la réactualisation de l'étude de faisabilité de ce barrage. Actuellement, ce barrage est en construction. C'est une fierté et je suis très fière que ça se passe actuellement et au bon moment, parce qu'il y a l'arrivée des mines aussi. Actuellement, avec la politique minière, il y a beaucoup de sociétés minières qui se sont installées en Guinée. Et ces sociétés auront besoin de l'énergie électrique. Donc, le rendez-vous de l'énergie et mine se concrétise. Pour moi, c'est une réussite et c'est au bon moment, c'est l'arrivée de ce barrage. Bien, alors vous pensez qu'à partir des explications et de ce que vous-même voyez sur le terrain, vous pensez que les choses évoluent normalement? Très bien et comment dire ça, c'est exceptionnel le timing de construction d'un barrage BCR de cette envergure. Dans le jargon des techniciens, c'est rare de trouver à moins de 2 ans, à moins de 2-3 ans, on est arrivé à ce niveau de construction. Ça veut dire que l'espoir est permis. C'est plus que permis. C'est une réalité. Ce n'est plus de l'espoir, c'est de la réalité. Voilà. Merci. Surveillance est faite par des équipements informatiques. Tous les trois groupes de la rivière sont donc. Ce que vous voyez là, ça c'est le transport élévateur qui envoie à partir des portiques que vous voyez là-bas. C'est le départ des lignes pour rejoindre, c'est la tête de la ligne 225 kV là. C'est ça que vous retrouvez à Conakry au poste de Manéa. Donc ça part, ça sera à peu près de cette même façon de l'autre côté, ça sera sur le toit. On ne peut pas s'attendre à le voir ailleurs, ça sera sur le toit. Et donc l'énergie quand ça sort de la centrale, ça attaque la ligne haute tension, mais de soi petit, on vient rejoindre le poste là. Alors, si vous voulez entretenir un tour, comment vous faites pour les choses? Vous avez le système de bannage. On bloque l'eau, on fermera ici, puis là aussi l'arrivée par des bâtards d'eau, c'est-à-dire qu'on empêche l'eau de rentrer dans la conduite, on ne veut pas être trop technique. Donc on ferme la porte à l'eau de part et d'autre, et après on ferme encore devant. Pour ne pas avoir de retour de la part des autres groupes qui sont en train de produire. Donc le groupe il est isolé et on peut commencer à travailler dessus. D'accord. Oui.